Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cet nouvel épisode en compagnie de Monsieur Épée sur BIP. Donc oui, par rapport à la dernière fois, ce qui est tout à fait normal que j'ai fait en fait 20 minutes, j'ai pas voulu faire plus au niveau du temps concernant pour la discussion, j'en suis navré. Pour ceux qui n'ont pas aimé justement les 20 minutes là. Du coup, je vais me rattraper. Je me suis également rattrapé concernant quelques abeilles. J'ai fait la Skystone, l'abeille assez chiante à faire. Finalement, elle n'était pas si chiante que ça par rapport à l'épisode que j'avais dit juste avant. Mais n'empêche que, on va dire qu'elle est correcte. Alors, j'espère qu'au niveau du son, tout va bien. J'ai reformaté mon PC, j'ai refait tous les pilotes à jour. J'ai remis frame, j'ai remis les gros drivers éventuellement. J'ai repris le micro du Turtle Beach pour le record, parce que ça tient, le micro là il tient, mais du coup je me suis gardé quand même mon gros casque pour moi, avoir le son correct. Alors j'espère qu'au niveau ça, on va pas beaucoup entendre des touches, ce genre de choses. Pourquoi tu fous là toi? Concernant ça, vous pouvez voir sur la map qu'il y a un changement. Oui, hein, tout à fait un changement. Déjà, j'ai augmenté un petit peu Botania. J'ai de la grâce. Alors, la grâce ne s'obtient pas avec la bonne mille quand on fait comme ceci là-dessus. Pas du tout. Sur la terre, en fait, on ne peut pas. Sur la grâce, on peut avoir des plantes, ce genre de choses. Mais la grâce se fait à partir justement d'une abeille. Tout simplement, l'abeille. Déjà, la quête n'est même pas validée d'ailleurs. C'est laquelle déjà? C'est à partir de la pasture seed. Cette pasture seed, en fait, c'est tout simplement une abeille qui s'appelle la Vans Bee. Celle-ci, en fait, nous permet d'obtenir justement des spores, la pasture boréenne et des soulcombes, des pings, des cions, des tulipes et des mystérieuses combes. Alors, cette abeille, je l'ai fait tourner en off pendant plus de les 2 semaines de pause que j'ai eues. Ah, tiens, la question est là. Et du coup, ça m'a donné en fait un gros coffre. Et vous pouvez voir aussi évidemment que j'ai augmenté. Pourquoi? Parce que je vais virer toutes les machines. Je les ai virées. Je les ai mis dans le coffre là. Je vais en fait refaire l'installation correctement pour avoir les fleurs bien les séparer et les automatiser réellement. Pourquoi les automatiser? Parce qu'il y en a certaines que je veux avoir dû faire, ce genre de choses. Et il y en a d'autres en fait que je vais faire juste les croisements. Donc au niveau de cette abeille là, pour obtenir ce qu'il veut, je l'ai fait tourner pendant. Pas 2 semaines, mais plutôt 1 heure, celle-là. Et elle m'a donné déjà tout ça. Voilà. Donc, au niveau des boréens, des pasturcides et autres, je suis plutôt correct. Donc, déjà, on va valider la quête qu'il obtient là. Et on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? L'Advanced, tiens, une turtle avancée. Hop, je vais juste baisser un peu le son. Hop. Pour vous entendez pas trop le retour au cas où. Et du coup, le Pister Seed, on les a eu. Donc du coup, au niveau de ça, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, en plus, nous avons des fleurs supplémentaires. Il y a celle-là et celle-là. Je les connais pas tout de suite. Mais on va les connaître. Tac et tac. Donc ça, c'est tout simplement des fleurs normales. Donc ça, je peux évidemment les jeter. On obtient du terrastide, l'élémentium et ceci. Élémentium, comment ça se fait déjà? Terrastide, je crois qu'avec le bouquin, on obtient... Ça, c'est l'élémentium. L'élémentium, je crois, c'est pour faire les Gaïa. Je crois que c'est ça, en fait. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc, du coup, au niveau des lingots, on est plutôt tranquille. Ouais, et puis forcément, Botania, c'est ici. Non, là. Voilà. Dans la demande de cette turtle, on va la foutre là avec ça. Tiens, hop, YOLO. Attends, on en a pas besoin en plus. Donc, j'ai augmenté ici. J'ai fait un petit peu Botania en off. J'ai beaucoup fait tourner les abeilles pour obtenir pas mal de choses. Donc, si ça te saute, c'est Optifine hein, qui fait merder les Java. Je sais qu'il y a une config. C'est la même config que pour les shaders pour éviter que ça soit comme ceci. Mais je sais pas où il se trouve. Donc du coup, je l'ai fait tourner. Alors du coup, au niveau de ça, on va le prendre, on va le foutre là-haut. Ça, j'avais pas vu qu'il y avait ce genre de choses.
Donc j'ai fait tourner pas mal le gold, le copper, il faudrait que je refasse tourner, Royal Jelly, le fer, le férouze, le cobalt et l'ardite, hein. Bien sûr je me suis fait aussi les pioches qui va bien, plus ce qu'il y a encore en stock, donc on a largement ce qu'il faut. Là ce qu'on va faire c'est tout simplement, on va prendre la skystone que j'ai fait tourner, donc c'est bien sûr avec l'abeille à la skystone, hein, elle est là, je l'ai fait tourner, ici il regroupe en fait toutes les abeilles que je n'ai pas besoin pour l'instant. On a l'Underium que j'ai faite, mais il y a la Skystone et je l'ai déjà faite bien tourner la Skystone. Elle a 13 fois elle a tourné 13 fois. Il y a une autre abeille aussi que j'ai fait tourner énormément de fois, ça doit être celle-là, 256 fois et malgré tout elle a quand même une longue vie. Ah non, elle n'a pas une longue vie, super, celle-là. Elle est revenue en normal. D'accord, ça doit être la vente, mais je l'ai comment je l'ai lancée 23 fois, vous voyez. Elle s'est mise en auto, donc la Windstone, je l'ai envoyée 107 fois. Enfin bref, il y a certaines abeilles en fait que j'ai fait tourner, 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 tourner. Et du coup, c'est qu'il y a du choix. Celle-là, je l'ai fait tourner. On ne peut pas la savoir sur celle-là. Ah, ça doit être celle-là que j'ai fait tourner. Hop, ouais, 156 fois. Donc du coup, vous voyez, on a fait quand même pas mal de fois. Donc j'ai ma Skystone, la fameuse Skystone qui m'a été demandée, redemandée et encore demandée plusieurs fois. Hop, manuel, on en a 4, on est content, on obtient deux autres. Maintenant, nous devons obtenir le silicone. Bon, le silicone, en fait, c'est tout simple. J'ai déjà préparé quelques abeilles pour la faire. C'est une Skystone Princess et avec une férousse qu'on obtiendra une silicone. Alors, sachant que j'ai retiré les machines, c'est pour ça que je les ai mis là, j'ai mis celle-là là, celle-là je vais la garder. On va remettre ça en place. Mais pour l'instant, on va surtout faire en sorte d'obtenir quelques petites grâces ici. Donc, on va en mettre un. L'avantage, tu vois, vous voyez, c'est avec justement cette seed là, c'est quand la plante, pouf, elle émet des particules, mais en même temps, elle permet de générer de la grâce toute seule. Alors, on peut la faire comme ça, mais comme c'est éclairé et on a ceci, on peut multiplier sa vitesse de production par je ne sais pas combien, ça doit être d'une 20 ou 50, ce qui est assez énorme. Et du coup, avec la lumière, vous avez de la grâce partout. Et l'avantage du coup d'avoir une grâce comme ça, c'est qu'à partir d'un moment, on va avoir des bêtes, des vaches, des cochons et ce genre de choses. Donc, on va dire que d'un côté, c'est plutôt bien, qui nous permet d'avoir justement des bêtes. Ça peut être sympa, on peut se faire un petit élevage tranquillement, mais il y a certaines quêtes qu'on a besoin de lait. Et ce lait, on va pouvoir l'obtenir justement avec les vaches et Manufactory Reloaded. Alors du coup, maintenant, nous avons que de la grâce. Et nous avons cette putain de pluie, de Golden Call plutôt. Voilà. Pour avoir un beau ciel pour vous, surtout au niveau de la vidéo, que ça soit pas merdique. Par la même occasion, du coup, on reprend tranquillement les vidéos, hein, naturellement. Mais voilà, il y a une autre abeille que j'ai fait tourner pour avoir masse colorant, c'est justement la One Bee. Non, c'est pas celle-là, on l'obtient à partir de quelle celle-ci? La botanique, oui, c'est ça, la botanique. Non, c'est pas la botanique, c'est la florale. Elle a été très chiante à faire celle-là. Mais on obtient en fait tous les colorants de toutes les fleurs de Botania, qui nous permettra d'obtenir par la suite évidemment deux grandes choses. Je réponds juste un message. Donc voilà. Donc au niveau des colorants, je vais être plutôt tranquille d'obtenir tout ça largement. Du coup, maintenant que nous avons de la grâce et nous avons tout ça, déjà on va augmenter le truc, déjà pour que ça soit généré. Donc s'en fout, c'est le local, hein, c'est un PC local, donc je m'en tape un peu. Mais surtout, du coup, déjà on a des colorants, ça c'est bien. On a des transmissions comptes, d'ailleurs, une transmission, je pourrais les stocker. Hop. Ici, ça se remplit plutôt correctement. Il faudrait que je fasse une trash à la fin pour tous les items là. Parce que je sens qu'il y en a un qui cherche des flèches, évidemment. Et ces flèches-là, je pourrais évidemment les mettre à plus loin. Ou tout simplement augmenter les barils. Ce serait pas con que j'augmente les barils d'ailleurs.
Ça éviterait de perdre en fait des items, des ingrédients par la suite. Donc, ce qu'on va faire là, c'est bah justement, on va remettre le petit setup tranquillement pour pouvoir continuer. Alors, les crafts aussi de Thermal Expansion ne sont pas tous craftables. Je ne sais pas si c'est un problème de la dernière mise à jour, mais il y a certains qui ne peuvent être complètement craftés. Et je trouve ça malheureusement dommage pour certains. Tout simplement, c'est qu'on ne puisse pas refaire de craft avec Thermal. Donc, malheureusement, c'est un peu dommage pour ça. Bon, c'est pas très grave, pas réellement au pire, mais bon, c'est chiant de crafter des choses et qu'on ne puisse pas le faire. Donc, il faut faire avec. Alors, du coup, on va reprendre ça. On va reprendre ça. On va reprendre ça également. Les automatiques, les productions upgrade à fond. Jungle et désert qu'on va mettre là. Qu'on a la pluie et le nether. Ça, c'est pour faire la withering. Ça, je vais la prendre. Ça peut être utile. Où est-ce que j'ai mis les autres trucs? Ah oui, j'ai tout mis là en plus. Les résonants de flux, donc ça j'en ai beaucoup, c'est pratique. Et prendre ceci, je vais reprendre les solars, ça peut être intéressant. Ça c'est de la redstone, donc je m'en fous un peu. Il y a les machines de génétique à mettre, mutatron, mutagène. Les apiaries qui ne se stack pas, pourquoi? Je ne sais pas. C'est un problème d'ID quand vous regardez dedans en fait. Quand vous les posez, vous regardez, il n'y a rien. Ah si, ceux-là, ils ont pas d'énergie, ceux-là. C'est pour ça. Les autres, ils ont masse d'énergie. Ok, c'est pour ça. La wand, je vais la laisser là. Il y a... Alors déjà, on a tous les inscribeurs, ça c'est pratique. L'énergie des émeraudes, c'était ici. D'ailleurs, j'en ai un peu beaucoup en parlant de ça. Je pourrais en jeter, ça peut être pas mal. Voilà. Ici, j'ai pas besoin. Là-dedans, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et il repleut, putain. Voilà, prendre 1 milliard de tics, hein, parce que ça commence à m'énerver la pluie. Et je n'ai rien d'autre si j'avais les solaires là. On ne peut pas les sauvegarder parce qu'il y en a qui sont déjà pleins et pas d'autres. Ok, donc nous avons tout ça. On va dire que c'est plutôt correct. On va faire le petit setup tranquillement. Sachant que par ici, on va avoir un petit système qui permet de faire nos abeilles comment, de modification. Donc on va en mettre 3. Ça sera en fait l'abeille, plutôt les abeilles qui nous permettront en fait d'obtenir des grosses choses. Alors, on va mettre surtout des gros câbles. Alors pourquoi mettre les gros câbles là? C'est tout simplement qu'on va mettre les gros solar panels dessus. Parce que c'est ceux qui transfèrent en fait 1024, qui génèrent 1024, qui transfèrent de 4096 RF. Donc du coup, on va y aller tranquillou. J'ai un résonant. On va pas la mettre la résonante, ça sert absolument à rien. À part vider l'énergie, la re-remplir, c'est comme une batterie en fait, ça sert à absolument rien de la mettre. Pourquoi j'ai... Ok. Je suppose qu'il y a une déco reco d'un périphérique que je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Je suis en train de regarder si c'est pas mon casque, mais non. Bon, pas bah, tant pis. Hein. Donc, ça et ça, on va du coup. Est-ce que je transfère tout ça? C'est des 100 000 et ça, c'est les zéros. Hop, on va juste transférer ça. Voilà, c'est tout simplement pour ça. La résonante. La résonante, on va peut-être quand même la mettre. Ça peut être un point clé. On va la mettre comme ça. Et puis on va la mettre en mode infini là-dessus. Pouf. Directement, mode gros câble. YOLO. Easy poney. Ce qu'on peut faire également bah, maintenant, c'est de mettre ces petits réseaux. Donc vous voyez, ça c'est 100 000. C'est 100 000. Tac. Hop. Ça monte super haut. Hop. On va mettre ça tranquillement. Ce qu'on peut faire éventuellement, vu que là c'est nos trois apiaries, ceux-là, on va les coller. Pourquoi les coller? Parce que là ça va être la génération de tranquillou
Alors, mutagène processeur, 27 mutagène. Tac et tac. Là, on produit le mutagène. Ici, on le restock. Génétique et sample. Je sais qu'il y en a un qu'il faut que je mette. Voilà, c'est celui-ci. Donc, hop, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour que. Oh, c'est pratique, il y en a autant. C'est tout simplement en fait que je puisse prendre le petit furnace là, que je le colle là, et je lui donne la sortie. Quand je vais cuire des blancs patterns, ça va directement aller dedans, sans que je fasse le transfert moi-même. C'est pour ça que je fais ça, principalement, c'est pour éviter des petits désagréments. Hop, hop, et hop, on est tranquille. Voilà. Comme ça, c'est bien, on est tranquille. Alors, ici, on a tout mis là. L'advanced mutagène, je ferai un chest plus tard. Ici, il faudrait que je fasse un craft auto. Mais sauf que je n'ai pas apply de tout de suite. Et voilà. On va faire la petite abeille qui va bien tout de suite. Donc, c'est dans l'advanced mutatron. Hop, on obtient la silicone. La fameuse silicone qui est en train de se faire. Ici, ça génère tranquillement. Ça génère bien. Et on va faire tourner nos petites billes. Hop, hop. Alors, 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Nos petites abeilles qui continuent. Hop, on va faire les 1 et 2. Donc, on va quand même faire la grosse production d'abeilles. Hop, on va mettre tout le setup en place. Hop. On va mettre nos cryos tout au long. Ça peut être sympa, tiens. Hop, pour que ça continue. Ici, on posera nos panneaux solaires. Bon, bien sûr, on peut mettre cela, comme on peut mettre d'autres panneaux, hein, mais on va dire que c'est plutôt classe quand même qu'ils nous en mettent beaucoup plus. 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ça peut être bien beau de mettre des petits panneaux solaires pour couvrir nos câbles. Ce qui est quand même nettement plus beau que la plupart des choses. Hop. Je fais juste pour en remettre un en face en fait. Hop. Sachant que j'aime bien la symétrie des choses. Voilà. Donc, hop. On va mettre nos gros panneaux ici. En fait, j'aime bien la symétrie, c'est surtout ça. Hop. Voilà. C'est tellement plus beau, plus classe. Quoique. Oui, je sais, j'aurais pu faire ça en off, mais j'aime bien le faire avec vous. 1 et 2. Oui, mais en fait, non. C'est moi qui me gourre. Vaut mieux quand même que je les mette ici parce que c'est des gros câbles, là, c'est des infinites. Et là, c'est que des 32 000. Donc, bon. On va dire que ça sert trop à rien que je fasse ça, sauf si je fais ça et que je mette mes panneaux dessus. Voilà. Oh, c'est quand même classe comme ça. C'est tout à fait mignon. Hop. Du coup, on va faire en sorte que ici, on va faire nos petits croisements. Donc, les petits croisements, c'est bien sûr les cartes qui nous permettent de faire crever les abeilles rapidement. Donc, c'est 4, 4 et 4. Voilà. On peut les faire en mode auto si on veut, mais j'en ai pas besoin. Il y a désert, émulation, hop, hop et hop. Quoique l'engine gun. Alors je sais qu'il y a celle-là qu'il faudrait mettre. Là, c'est le désert. La première, je sais que. Vu que c'est désert, il peut aller dans la pluie. C'est obligatoire. Hop, on va mettre les automatisations ici. Hop. Donc je ne sais pas encore quel type d'abeille que je vais mettre en place ici pour les mettre en mode auto. Je sais qu'il y aura le gold, ça c'est même sûr, il y aura déjà le gold qui va se mettre en route. Le fer, pourquoi pas. L'Underium, oui, parce que je voudrais quand même me faire une bonne épée en Underium que j'ai découvert sur le mode pack que je fais seulement en live. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on revienne dessus un jour. Qui permet de faire une belle épée en Underium qui fait 42 damage, donc c'est pas négligeable, on va dire ça.
Voilà, donc ceci étant fait, on va pouvoir continuer. Les upgrades, maintenant qu'on doit faire ça, c'est 8 par cocotte, hein, naturellement. L'avantage, c'est que vous faites juste un shift-click et vous pouvez mettre les 8 d'un coup. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Voilà, on a les 8. On peut les mettre éventuellement ici. Hein. C'est pas nécessaire, mais bon, si vous voulez, vous pouvez la mettre. C'est très pratique. Hop, hop. Ici, on peut récupérer les cibles si on veut. Les petites gougouttes. Maintenant, ceci étant fait. Déjà, on va foutre ça là. On va continuer du coup la quête. La quête, c'était le silicone. D'ailleurs, le pulvériseur et ça, on pourrait les mettre éventuellement. Mutagène et ça. On va juste les mettre là. Il faudrait deux câbles. Deux redstone, ça suffit amplement. Voilà, comme ça c'est plus beau, vous séparez. Si vous voulez, c'est pareil, hein, ce n'est pas une obligation. Mais voilà, comme ça c'est la batterie, ça c'est la grande surface. Bon, ça fait quand même quelque chose déjà de beaucoup plus beau. Ici où on pourra mettre un trait et mettre des apiaries sur les côtés, en fait. Donc on va dire que c'est correct. Bon, bah ceci étant fait, on va pouvoir mettre notre abeille enfin, la fameuse silicone, on va la scanner avant. Donc, celle-ci a un large territoire, la silicone. Elle travaille de jour de nuit comme partout en fait. Elle nous donne surtout du silicone là. Donc cette silicone en fait, pourquoi je la mets là? Déjà c'est pas ici, c'est plutôt là. Voilà. Pourquoi ceci là? C'est tout simplement une fois que je vais obtenir le drone et la queen, je vais la passer ensuite dans le génétique là qui me permettra en fait d'obtenir sa longévité très large, lui mettre bah déjà les gènes qu'elle a, donc ça sert à rien qu'elle rase dessus, mais surtout qu'elle va pouvoir me donner fertilité 4. Pourquoi ça? Parce que le silicone, silicone plus une skystone drone, par la suite va me donner une certus. Et cette certus, on va pouvoir l'obtenir avec une autre skystone du flux, parce que c'est les quêtes en fait. Du certus, le fameux certus qui est très chiant à avoir, et le flux nous donne du flux. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien d'aller chercher ce qu'il faut. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Ça, c'est là. Je pourrais mettre un petit câble juste au-dessus. Voilà, tranquillou. Hop, et pas besoin. Voilà, ça fait des belles machines, tranquillou. En plus, c'est quelque chose de beau. Au niveau de la quête, du coup. On doit obtenir 8 silicones. Hop, comment enchanter le système? Voilà. Et vous avez vos silicones. Et vous avez besoin maintenant de Certus. Évidemment. Vous avez besoin de la fameuse Certus. Et la Certus, comment on la fait? Du silicone et un Skystone. Évidemment, la Skystone, vous pouvez l'obtenir comme ceci. Et vous avez besoin du biome aride, donc désert. Et pour cela, désert, vous en avez un. Et celle-ci, vous pouvez la mettre là en mode auto. Voilà. Et du coup, celle-ci va nous fabriquer des drones et de la skystone naturellement. Donc, hop, ça continue tranquillement, ça pulvérise ça. On va dire que ça traite. Et en même temps, elle nous donne régène, parce que toutes les abeilles que je mets en mode là-dedans. Je lui mets obligatoirement l'effet beautifique qui est tout simplement régénération. Donc nous avons la silicone. La silicone là, c'est un drone et un machin. Ça, je vais le garder. Alors le silicone drone là, je vais pouvoir la mettre ici. Nous avons une Skystone drone. Ah, nous l'avons déjà. Oh, c'est magnifique. Donc on va pouvoir faire le traitement directement. Certus, hop là, bonjour, bonjour pour le Certus. Ch'ting! Ah, une belle petite Certus, on commence à avoir des belles queens. Alors, celle-ci nous donne un seul drone à chaque fois, naturellement. Elle travaille de jour, de nuit, comme dans les caves, mais ne tolère pas la pluie, mais on va
s'arranger pour qu'elle nous donne autre chose et on va pouvoir avoir du Certus. Alors, pour ce Certus, du coup, elle ne tolère pas la pluie, on va la mettre là-dedans. Une fois ceci étant morte, voilà, comme la silicone, on va pouvoir obtenir autre chose au-dessus, qui est du Certus et de la Skystone. La Skystone, on pourrait la refaire d'ailleurs. RT Windy. Je ne suis pas sûr que je puisse la refaire, la RT Windy. Donc là, nous avons du silicone. Et ce silicone-là, bah, nous allons tout simplement lui donner les fameux gènes, en fait, qui va bien. Et du coup, on va pouvoir la faire travailler tranquillement à côté de sa Skystone à elle. Donc, hop, celle-ci, elle va travailler tranquillement. La Skystone, éventuellement, on peut la virer pour plus tard. Pourquoi? Parce que, sachant qu'on va avoir besoin d'une Skystone, pour avoir le flux, on va pouvoir la virer. La Skystone n'est pas obligatoire, sachant que seulement la Skystone nous donne le chest naturellement, la Skystone Dust, si vous voulez. Mais voilà, après on pourra faire du Applied, du vrai Applied. Mais pour faire ça, voilà, c'est juste des ME contrôleurs. Donc les ME contrôleurs, c'est pas vraiment très efficace, sachant qu'on va pas faire un énorme réseau pour tout ça, sachant qu'on arrive quasiment à la fin. Donc, ça ne sert absolument à rien d'en faire un énorme. Vous pouvez en faire un petit. Donc, c'est pour ça que ça, on va le virer après. Éventuellement, on pourra le virer. Donc, du coup, je vais l'enlever. Je vais la mettre là. Elle a besoin de. Hop. Donc, on va pouvoir virer ça. Skystone, on va la mettre là. La comble là ne sert absolument à rien parce que. Vous avez besoin juste besoin de Magic Wax et de clés. La Magic Wax peut être utile par la suite éventuellement, mais on s'en fout un peu. Donc du coup, je vais la laisser travailler. J'aurai besoin bah, du coup du Certus. Le Certus, je l'ai. Sachant que je vais avoir besoin d'un drone. Donc du coup, celle-ci, je vais avoir besoin de la faire passer. Hop, la silicone, donc l'effet beautiful. Tranquillement, donc je vais pouvoir la faire travailler. Waouh, c'est super beau. Hop, donc ceci étant fait, voilà, elle va travailler et me donner du silicone. Ici, ça va être la même chose. On va juste en prendre un peu plus. Il faudrait que je refasse ce qu'il faut. On va prendre le Certus et le Certus Drone. Ah, vous voyez, on commence à avoir des petits moutons. D'ailleurs, sur la map, je devrais peut-être mettre les passifs. Radar, neutral. Eh, hey, nous avons même une poule. Nous avons une poule. Cocotte, toi, cocotte. Ben oui. Donc, du coup, on va être tranquille. Du silicone. Nous avons, du coup, notre Skystone Princess, naturellement. Donc ça, on va pouvoir, en fait, l'arranger. Hop, on s'en fout. On va pouvoir avoir ça et ça. Donc, à bien vérifier que c'est du Certus, c'est du Certus. Vous la refaites travailler. Donc là, maintenant, elle tolère la pluie. On va en avoir besoin. Donc, il vous faut refaire en fait un tour pour obtenir un Certus drone pour pouvoir l'accoupler avec une princesse. Hop. Donc là, c'est tranquillement. Ça, d'ailleurs, je pourrais la remettre là s'il faut. Tac, donc du coup, ici tranquillement, ici ça fait du silicone, c'est magnifique. Tac, du silicone, je peux le remettre là. Ici, il n'y a rien d'autre. Ici, bah, je peux mettre ça là. Voilà. Donc, du coup, au niveau des quêtes, maintenant le silicone est fait, il va nous demander le Certus. Le Certus, du coup, on attend que la petite cocotte se fasse. Une fois que celle-ci est morte, on récupère un drone et on la met en mode auto sur le côté. Ouais, derrière, en fait. On va la mettre là. Bon, bien sûr, là, sachant qu'on lui a mis le gène Fertility et plus tout ce qu'il faut avec, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais bon, voilà, il faut bien attendre qu'elle fasse tout. Donc, il va nous falloir 12 Certus Quartz. Ce Certus Quartz, évidemment, ne se fait que avec l'abeille. Vous pouvez l'obtenir comme ça, mais il faut les lasers. Hop, voilà, il faut les lasers avec un focus et vous avez 3,32% de chance de l'avoir. Donc, ce qui est quand même assez faible. La charge aide, vous connaissez très bien comment le faire.
Tac, 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 tac. Les propos. Youssef, je n'ai jamais compris à quoi ça servait réellement. À rien. Mais j'en sais rien. Salut le mouton! Ben oui, maintenant t'es ici, hein? Et puis tu vas voir du régène bientôt. Oh, un certus! Ah là, nous avons obtenu ça. Donc, on en prend un, on en prend un, on va lui mettre un drone, on obtient le flux. Le flux, c'est bon. Maintenant, le certus, on va le faire tourner. Et évidemment, comme il pleut, c'est bizarre, il pleut tout le temps dans ce genre de choses. La flux, on la scanne. Elle nous donne tout ce qu'il faut réellement. Elle ne tolère pas la pluie. Donc, on va la faire tourner dedans. On va attendre qu'elle meure. On va lui donner un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet, on attend. Et après, on est tranquille. Voilà, le flux, hop, ça nous donne 6% de l'avoir. 6% fois. Production, c'est 20%, fois 860. 6% de 160, vous obtenez environ 8% de chance, 6,2% de chance d'obtenir en fait une production du flux. Donc voilà, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc du coup, bah, elle produit, vous voyez, hein, on nous donne déjà ce qu'il faut. Certus aussi, donc tous les combles là qu'on va récupérer, on va mettre ça dans la chest, on va les virer directement. Automatiquement pour les foutre ailleurs. Également, j'allais oublier, c'est pour ça que je suis passé un petit peu ici, c'est que j'ai fait des abeilles, presque toutes les abeilles en fait de Tomcraft, parce qu'on va en avoir besoin. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai commencé à faire les quatre abeilles là. Alors il y en a deux autres normalement, mais j'ai du mal à les avoir. Oh, j'ai encore des drones ici, putain, mais j'en avais plein en fait. Les éthérales, les trucs le plus chiant à avoir, parce qu'il fallait avoir des arcades ou des Supernatural Queen. Le truc vraiment très très casse-couille. Il faut dire vraiment ce qu'il est. C'est très casse-couille. Donc le flux va nous donner ce qu'il faut. Là et là, c'est bon. Donc ici, ça travaille tranquillement. Donc je vais faire en fait une ellipse. Déjà, je vais voir au niveau du temps à combien nous en sommes. Et éventuellement voir si. Ah bah, elle vient de se terminer. Hein. Elle fait quand même du beau boulot pour vous. Parce qu'elle vient quand même de se terminer avant que je la coupe. Oh, petit chevaux! Oui, des petits chevaux! Salut toi! Non, non, je vais te monter. Par contre, tu me jettes pas dans le vide, s'il te plaît. Tu me jettes pas dans le vide. Non, je t'ai dit quoi? Tu vas me faire des cœurs. Cœur, cœur, cœur où je te bute. Eh ben voilà. Oui, y'a un cheval. Y'a un cheval. Bon, par contre, j'ai pas de seddle. Et on peut pas la faire un seddle. Oh, fais chier. Ben oui, t'es content. Hein? Ah, ben oui, ah oui, ah oui. Par contre, je vais peut-être le renommer. Hein? Oui, je vais peut-être te renommer. Oui, je discute avec des chevaux, mais tout à fait normal. Hop. On va le rescanner et on obtient tout ce qu'il faut maintenant. Donc on peut la faire tourner. Donc flux, certus, silicone, tout ce qu'il faut pour un plaid. Ah mon petit cheval, bah oui. Hein. Est-ce qu'on a un name tag? Je voudrais bien avoir un name tag par contre. Si on n'en a pas, c'est un peu con. Sachant que moi je veux le renommer mon cheval. On n'a pas de name tag. Un petit name tag, s'il te plaît. Non? Je sais que le monastique, on en avait besoin pour une abeille. C'est Clued avec la pulpille. Pulpille. Faut une choco. Une choco, une savante. Pourquoi la savante? En fait, c'est tout simplement qu'on obtient des leurs fragments et ensuite des knowledge fragments de Tomcraft. Ah oui, également, la nouvelle chose aussi. Comment? C'est que Tomcraft un 7.10, c'est super cool, on connaît et autres, mais le Tomcraft 1.8 a énormément changé. C'est fou, hein? C'est vraiment. Non. Il a vraiment changé, je ne plaisante pas. Ça a beaucoup changé.
toute façon, on verra bientôt pour en faire une, pour faire du Timecraft. Donc le Certus machin là, c'est bon en fait. Donc du coup, je reviens, je vais voir un petit peu où est-ce que j'en suis dans, tout simplement dans, oui, hein, dans l'épisode. À tout de suite. Oui. Bon, c'est bien ce que je confirmais. Le chevalier est d'accord avec moi. C'est qu'on va tout simplement nous quitter là. J'espère qu'en tout cas l'épisode vous aura beaucoup plu par rapport à l'épisode d'avant. Partagez surtout les vidéos, c'est surtout ça. Je voudrais avoir en fait un maximum de vues sur cette série. Il y a bien sûr à la fin de ce modpack, il y aura une nouvelle série qui se fera un petit peu plus tard. Mais vous inquiétez pas, on revient très bientôt. Voilà, sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine avec mon cheval. Salut toi. Et tout content. Oui, t'es tout content. Hein? T'es tout content. Oh.